Yo les gens, Soura, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le début du let's play sur Far Cry 4. Oui, enfin, il était temps que je le fasse. J'avais promis à quelqu'un de le faire et là franchement ça j'avais envie. Donc voilà, donc Far Cry 4. Ce jeu, il méritait le let's play, il méritait que je fasse un let's play. C'est une vidéo courte parce que j'ai pas énormément de temps, mais parce que j'ai envie de recorder maintenant, donc je recorderai maintenant et peu importe la vidéo, elle sera faite, montée, upload tout. Peu importe la taille, je m'en fous. Elle peut durer une demi-heure comme durer 20 un quart d'heure. Ou 10 minutes. Je sais pas encore, mais bref. Là, par contre, on est sur PC. Comme d'habitude, que je joue sur PC. Et donc, la cinématique, Vincent Cimato. Par contre, les chargements sont bien longs dans ce jeu. Ah. Au moment où je dis que c'est bien long, ça augmente rapidement. Voilà, donc il y aura une cinématique là. J'ai un petit peu. J'ai fait une sauvegarde avant, mais là, j'ai recréé ma sauvegarde. Attention, pour vous. Je sais. Ah là là, ça fait vraiment du bien de faire de re-record. Voilà, allez, cinématique. Je coupe mon micro. Le jeu est en anglais. Et langage anglais, sous-titré français. Bon visionnage de la cinématique. Monsieur Gale, c'est Chet Peterson de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine Ishwari Gale, vous devez vous munir du passeport de la défunte de l'original électronique. Hé ! Passeport. Respire. Laisse-moi parler, ok? Passport, je le dis. Qu'est-ce qui se passe? Je choisis toujours très bien mes mots. Arrêtez. Tirez. Arrêtez. Tirez. Dis-moi, est-ce que tu entends la même chose? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Dégénéré.
Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh, vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé. Ma foi, pas comme ça. On t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce ? C'est ton invité ? Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes. Et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif, et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai dégagé mon agenda. Ah, moi, on va tout déchirer. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette cinématique, parce que franchement, ça, c'est vraiment la musique que j'aime bien. Il y aura une deuxième cinématique, par contre, ce sera en anglais maintenant, j'ai un problème au niveau des langages, donc c'est pour ça. Allez. I expected more, you know, chains and wailing, but knowing you, somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Deplume. Well, go on, take the bloody bag off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. R.J. Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Min. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. No. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Here we go. All right. With this, with the smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now, your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. And too much distance is built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me, no. It was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see, hit me, boom. Really, guys, we're not checking for these anymore? Ah, I'm with R.J. Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help?
Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! Help! From your diaphragm! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Voilà, donc la cinématique est finie. Donc franchement, les graphismes, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, ça, vous allez pas faire la même chose, mais ils sont vraiment magnifiques. On va essayer de fouiller un peu. Donc, si vous avez pas compris, en fait, on est à Jigalek, on veut disperser son autre mère au Kirat. Ok, disperser son autre mère au Kirat et comment expliquer. Pour disperser les sangs de notre mère, on doit demander à Pagan. De pas nous aider mais nous conduire à Lakshmana. On sait pas du tout ce que c'est. Donc, voilà. Alors ok. Ok, donc on va juste prendre ça. Donc voilà, donc je pense que c'est bon, c'est une explication. Alors je record tous les samedis soirs ou les dimanches matin. Et je vais upload ça les lundis ou mardis. Voilà, donc la vidéo va pas durer, je sais pas si elle va durer longtemps. Tout est cassé, on va fouiller un petit peu tous les coffres. Les deux psychologies. On va essayer de fouiller un peu partout. Oh. Mémo de la R. Diffusion depuis le clocher. Nous avons récemment eu vent d'une tentative de sabotage des émissions depuis le clocher à l'extérieur de Banapur. Nous allons poser des gardes jusqu'au clocher jusqu'à nouvel ordre. Il est impératif que le message de notre chef suprême soit partagé avec tout le Kirat. Que l'univers de Pagan vous inonde. Ministère des Affaires Publiques et de l'Harmonie Sociale. Donc en gros, ouais, ok, donc à tous les clochers, je pense que c'est les tours radio, il y aura des soldats. Bon, ça va être un peu compliqué ça, mais bon, on verra bien. On va essayer de fouiller, continue à fouiller. On sait jamais. Bon, on va descendre. C'était quoi ça? Ok. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est dégueu ce qu'ils font. Ah, vas-y, je vais pas en regarder plus. Allez, tu fais s'il y a pas un coffre quelque part. J'espère que la luminosité est bonne pour vous. Non, on va sortir. Allez. Ajigale. My name is Saban. Fort. I'm with the Golden Path. Golden Path. We're friends. I knew your father. We're here to rescue son of God. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Alors. Shit, they know we're here. J'ai l'impression que Adjé a plus de cran que... Comment il s'appelle? Dans le 3. Jason. Je crois qu'il a plus de cran que Jason Brody, hein, ça sert. Ouais. Ok. Si tu veux, vas-y, on y va, ça balle. Il y a beaucoup plus de cran, hein, sincèrement. J'espère que vous aurez pas le problème d'aliasing. Enfin, des traits en plein milieu de l'écran. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va, on y va. Faut pas y mourir. C'est bon. Allez. Avec toi. What the fuck, un éléphant. D'accord. On espère que ça va vous plaire. Allez. Ok.
There's a gun underneath the dashboard. Use it. Bon, ok. Les armes. Oh. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Il y a de quoi s'amuser. Allez, franchement, le jeu il est magnifique. Donc, je l'ai eu avec ma 970. Voilà. Je suis seul mec à faire ça. Ouais, on va essayer de bien jouer là. Jouer propre. Joue propre. Allez, die. Voilà, nickel. Alors, j'espère qu'il y a le même système des. Oh, non. Oh, dégage. What the... Elle meurt pas, hein. D'accord. Je peux tout ce qui vient de se passer. Il y a eu un accident. En fait, c'est mon premier let's play sur cette chaîne. Voilà, donc, comme premier let's play, je pense que c'est bon. Hein. Un jeu plutôt bon, sincèrement. Au moment où je suis arrivé, franchement, c'est de type très bon. Oh la machette. Head to the tower. Okay. Et Draven est revenu là, wow. You can do this, Ajay. Ok. Base de furtivité. Oh, comment c'est flou, what the fuck. On va la mettre. Ah, c'est mieux. On joue à Splinter Cell en version force. On joue à Splinter Cell, mais à la première personne. On est chaud. Non, je ne suis pas dépressif. Fuck. Oh oui, oui. Oh, c'était beau ça. On va récupérer la K. On va le fouiller. Donc en gros, la monnaie du jeu, c'est les Kira, les roupies plutôt. C'est les roupies. Et on va essayer de buter le dernier avec l'exécution comme on a fait. Oui, on a préparé. Oh, l'exécution. C'est quand même magnifique, hein. Les exécutions. You shouldn't pass. Donc, en gros, on fait partie maintenant du sentier d'or. Exécution. Wow. Eh. We talked about this. C'était beau, sérieux. Mettez les armes. Alors, je suis le type pas dépensier dans les Far Cry, bizarrement. Et dans tout ce qui est autre jeu, je peux dépenser des munitions, je m'en bats avec. Quoique, ouais, juste parce que je meurs souvent, donc. Voilà. Hop. J'espère que je vais pas beaucoup mourir dans ces splits, parce que. Enfin, voilà quoi. FPS, c'est le genre de jeu que j'adore, mais... Voilà. Alors. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Hey, regardez ça. Les effets de lumière, etc. C'est magnifique. Allez. Ah, ouais. Oh, le dépeçage. Tout de suite le dépeçage. Ah, pas. Protéger les appâts, maintenez E pour dépasser les animaux. Ouvrez la route des armes en maintenant 0, 1, 2, 3, oui. Et sectionnez les appâts avec la molette. D'accord. Lancez les appâts avec le clic molette pour attirer les prédateurs dans la zone. D'accord. Bon, on va prendre. On va équiper les appâts. J'en ai le clocher. Ok, donc en gros les points, d'accord, donc les croix c'est les... Ouais, c'est les animaux morts pour les dépasser, d'accord. Il y en a un là-bas.
Ah, il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un à côté. Ouf, 3. Là, par contre, la map elle est vraiment gigantesque, hein, je tiens à le dire. Exécution. Oh, oh, j'ai voulu se foncer dans le tas. On peut se soigner directement avec des seringues. Ouais, c'est des seringues pour se soigner. Et des fois, c'est des fois, il se fait des trucs vraiment dégueulasses, il retire des trucs de la peau, etc. C'était Epic Games, je rêve ou c'est marqué Epic Games. Donc c'est la virgule, bah comme tous les autres jeux. Collection, c'est quoi? Sac à butin. C'est marqué quoi? Héroïne. Non, Efredine, ok, c'est de la drogue. Ouais. Oh, il y a un coffre sous l'eau. Non, on me la fait pas, moi j'ai joué au Far Cry 3. Hein. Truc de soin. Oh, on va regarder. Qu'est-ce qu'il donne celui-là? Je vais voir ce que donne ce petit. Hop. Le Mark 4. On va voir ce que ça donne. Bien, je retourne à la flotte. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Hop. Et j'ai envie de dire. On va cesser. Ouais, on va cesser là. Non, non, on va continuer un petit peu. Checkpoint. Il y a un coffre. Ok, on veut. Ah, il y a des ennemis. Ouais, c'est bon, c'est comme dans le 3. L'appareil photo qu'on peut prendre de photos. Ça m'a marqué ça. Ok. Non, vous m'avez pas vu. Tu m'as pas vu, toi. Ok. Comment je vais pouvoir récupérer? Ah, c'est bon. Je vais donner des coups. Pas récupérer. Bon. Oh, un gilet. Oh, gilet pare-balles. C'est bon ça. Alors. Oui. Oh, et on va. Oh le. Oh, ce gun est magique. On va balancer, allez, on va voir ce que ça donne les appâts. La grenade. Oh le. Oh. Il est puissant ce gun. Eh non, mais il est cheaté. Wow. Ça sent le mec qui a joué à Battlefield ça. Question mule, on est bon, ouais, donc je vais la garder. On va se laisser. On va aller presque devant le clocher, on va se laisser là. Ça, ça sera un petit peu de suspense pour le prochain épisode. Je sais plus du tout combien de temps ça a duré. On va récupérer le coffre. Voilà. Allez, on va monter. J'ai à 50 000 roupies, c'est pas mal. J'aimerais bien avoir plus. Alors, c'est par où? C'est par où Azur? Non, c'est par là. On plonge. Ouf. Je sais que j'aime prendre des dégâts de chute. Oui, il y a un coffre. Allez. Prenons le coffre. Et va pas te noyer. Hein. J'allais dire Aiden, mais non, c'est AJ en fait. Ça semble un peu. Donc, Non, pas de LSP sur Watch Dogs. Non. C'est dégueulasse en ultra, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment trouvé dégueu. Les gens. Notre première peau. On a tué l'animal. C'est beau, c'est fallait bien un début à tout. La peau de Baral. Personnellement, je veux la peau de Pagan, mais. Enfin, ouf.
Moi, je suis comme ça, je chasse Hogan. Regardez-moi ça, regardez-moi ces graphismes. C'est vraiment magnifique, hein. Wow, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'aurais pu passer par là. Je vais te faire du parkour. Ok. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Bon, on va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Monter. Et on va prendre le crochet dans le prochain épisode. On monte. Et voilà. Bref, allez, à plus. J'espère que ça aura plu.